Exactement, donc on va commencer par t'acheter un petit peu de BND parce que tu vas avoir besoin. Alors on va faire ça sur la chaîne Binance, la BSC, la D'accord. Binance Shitcoin Chain, ou que certains appellent Smart. Alors pour la petite histoire, elle n'a de Smart que le nom parce que en fait c'est une pure copie d'Ethereum que Binance a mis en Proof of Authority, c'est-à-dire Binance a la main mise sur tous les serveurs de minage. Voilà, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, évidemment, ils veulent vous la vendre, donc ils proposent, on va dire, des frais pas chers. C'est pour ça qu'on va le faire dessus, parce qu'en ce moment, les frais sur Ethereum sont assez dingues, donc créer sinon le Pepitor Coin, ça coûterait minimum 200 $, sans compter D'accord. les transferts. D'accord, ok. Et donc, voilà, donc Binance, c'est de la crypto, mais ce n'est pas du décentralisé, c'est bien ça, hein. On est vraiment en centralisé ici, hein. C'est ça. Alors, c'est quand même une blockchain puisqu'ils ont copié la blockchain Ethereum. Hein, donc, le site de Binance n'est pas décentralisé. C'est une plateforme d'échange centralisée. Par contre, nous, on va quand même passer sur la chaîne. Donc, les principes, c'est exactement les mêmes que sur Ethereum. Vous retrouverez tout ce qui fait la blockchain Ethereum. On l'utilise aujourd'hui juste parce qu'elle n'est pas chère, en fait. D'accord. Ok, parfait. Donc là, Donc je on sera vraiment suis. sur la blockchain avec un wallet, c'est juste qu'on va utiliser la chaîne Binance au lieu d'Ethereum. Oui, donc là, on est sur Binance, David, hein. Donc, Yes, sir. je vais acheter. Donc, j'ai un BNB USDT, c'est ça? Ouais, exact. Comme toi, tu as des USDT, on va acheter des BNB avec des USDT parce qu'on va en avoir besoin pour payer les frais de transaction. Donc, j'achète au marché, hein, on ne va pas être radin, hein, allez, on flambe. Hein. Je vais en Ah, le grand prendre seigneur. 30 USDT, c'est bon? Ouais, très bien. T'auras de quoi faire. Hop, ordre d'achat créé, au marché. Hop, ouvert, historique des achats. Ouais, c'est bon, j'ai 30 USDT. Génial. Voilà tes USDT. Allez, je vais Alors, seulement. ce qu'on va avoir besoin maintenant, parce que ça, c'est juste la petite partie pour financer le wallet, mais on va avoir besoin du wallet. Okay, Donc, j'ouvre on va mon te créer portefeuille. un wallet et on va utiliser l'option la plus simple. Alors, c'est pas la plus sécurisée, mais voilà, Denis, il n'a pas encore de Ledger. Donc, Ouais. là, on montre quelque chose de simple. Hein, on va rester simple. Chez vous, renseignez-vous bien sur la sécurité. Je préfère toujours prévenir parce que, hein, si on perd ses accès, on perd la clé, on se fait hacker, on n'a plus rien. D'accord. En fait, c'est le risque, Donc, hein. tu peux aller sur. C'est décentralisé par rapport à la banque. La banque qui est centralisée, c'est-à-dire si vous perdez une carte bleue ou si vous perdez quelque chose, vous faites opposition, vous appelez la banque et tout est résolu, quoi. Eh oui. Tandis que là, si tu te fais hacker tes codes et tout, t'as tout perdu, quoi. Eh ben, tu es ta propre banque. Voilà. Donc, je recommande toujours une clé matérielle comme un ledger pour ceux qui veulent. Alors, pour des petits montants, on risque pas grand-chose, mais pour ceux qui veulent mettre un peu plus de crypto, sécuriser ça sur une clé matérielle, hein, ça apporte beaucoup plus de sécurité. D'accord. Donc tu m'as dit d'aller chez MetaMask, c'est ça? Ouais, donc on va prendre le wallet MetaMask, tu vas le télécharger, c'est une petite extension en fait qui va te créer un compte et il va falloir dessus qu'on ajoute la Binance Shitcoin Chain. Alors installe pour Chrome. Ouais, exactement. Je te laisse faire ça et moi je vais t'envoyer les infos. Puisque par défaut, en fait, on va arriver sur la chaîne Ethereum, hein, parce qu'à la base, MetaMask, c'est un wallet Ethereum, et on va devoir lui ajouter les infos de la chaîne Binance. Donc voilà, apparemment c'est bon. Par contre, je vais le chercher où? Alors maintenant, tu dois avoir une petite extension qui s'est installée dans ton navigateur. Oui, je l'ai, ça y est. Tu l'as? Oh, ok, génial. Alors, donc si tu ouvres Je l'extension Google l'avais, je Banking. l'avais, bienvenue. Il me dit de commencer, hein. Ouais, donc là tu vas créer ton wallet d'abord. Oui, voilà. C'est en espagnol. Attends, il y a moyen de le mettre en français pour le C'est public. paramétré sur ton navigateur là. Ouais, donc bon. Hop, 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 hop. Ouais, je suis d'accord. Donc, je vais créer mon code, hein.
C'est ça? Ouais, alors, je reviens sur ton écran, excuse-moi. Donc, oui, là, tu crées un code, c'est un code qui va te demander à chaque fois que tu rouvres ton navigateur. Ça, c'est ton code perso. Ok. Voilà. Ok, tu le confirmes. N'oublie pas d'utiliser un code sécurisé, des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules. Hein. Yes. On crée, voilà. Donc là, il t'affiche en fait ta phrase de récupération. Donc tu vas pouvoir l'afficher. Évidemment, on va le couper à la vidéo parce que. Voilà, j'ai confirmé ma phrase, évidemment, je ne l'ai pas montré, hein, parce que je veux pas Ok, donc tu as avoir. eu ta phrase de récupération. On Ouais. aura coupé avant, donc là, les auditeurs n'auront pas eu le temps de voir Ouais. ce que tu as fait. La phrase qui t'a donnée juste avant, c'est ta phrase de récupération. C'était D'accord. très important de la sauvegarder dans un endroit en sécurité. Donc mieux vaut éviter sur l'ordinateur, il faut le stocker sur une feuille de papier, dans un endroit sécurisé, parce que c'est le seul moyen de récupérer le wallet. Et si quelqu'un a accès à cette phrase, il aura accès à ton wallet aussi. Je suis D'accord. désolé, hein, j'insiste un peu sur la sécurité, mais c'est important D'accord. Ça, je peux le surtout pour des faire. gens qui ne connaissent pas. Ok. Je peux le faire plus tard, ça, pour le mettre sur le mobile, ou je le fais maintenant. Ouais, non, 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 ça tu peux fermer, c'est juste D'accord. les what's new. Voilà, donc on est ici sur ton wallet. Ton Yes. premier compte a été créé Ouais. et pour l'instant il est branché sur la chaîne Ethereum. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la chaîne de Binance. C'est là, Donc non? là, tu cliques effectivement sur les réseaux et tu vas sur RPC personnalisé. Le dernier. Voilà. Donc là, ça va te permettre d'ajouter un réseau. Donc tu lui donnes un nom, ça c'est le nom que tu veux, mais tu peux l'appeler Binance Chain. Voilà. L'URL, je vais te la donner parce que c'est plus facile. Je te l'ai mise dans Skype. On va Voilà, récupérer tu me l'as ton donné, premier il est là, URL. ouais. Voilà. L'ID de la chaîne, tu vas lui mettre 56. Ouais. Ok. Le symbole BNB. D'accord. Et ça, l'idée, tout ça, on le trouve sur le site de Binance, non? Ouais, on peut le trouver sur le site de Binance. Il y a des tutoriels, hein, pour le Ok. faire. Tu peux le mettre en majuscule parce que sinon, je sais pas s'il va te le prendre en majuscule. D'accord. En majuscule. Et l'URL pour l'explorateur. Alors là, tu peux le taper à la main. Ça va être https://. HTTPS deux points slash slash ouais bscscan.com. comme ça Voilà, super. Et hein donc, t'as plus qu'à créer. ouais hop je garde hein, ouais. Voilà, donc Binance est ajouté, la Binance chaîne D'accord. est ajoutée maintenant sur ton wallet. Donc tu peux fermer cette fenêtre-là. Yes. Voilà, et on va juste switcher. Et ben c'est bon, Je suis il t'a sur switché tout Binance seul. là, ouais. Ok. Voilà. Donc tu vois, ici en dessous de ton account One, tu as une adresse qui commence par 0x. Ça, c'est ton adresse publique sur la blockchain. Ah ouais, Ok? d'accord. Donc ça, c'est mon wallet sur la blockchain. Voilà, exactement. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas Ça, cliquer je juste dirais, une fois. c'est mon compte en banque, en fait. C'est mon RIB, en fait. Ouais, mais c'est ton. Oui, voilà, c'est ton RIB, mais c'est ton adresse publique, voilà. D'accord. Elle est. Celle-là, tu peux la partager parce qu'elle est publique. Ok. Hein? Donc tu vas cliquer une fois dessus et ça va te la copier dans le presse-papier. Ok. Voilà. Et maintenant, on va aller sur Binance et on va envoyer tes BNB sur ton wallet. Ah, on est venu sur mon portefeuille Binance. Ouais, donc là on est sur ton portefeuille sur la plateforme Binance et on va aller chercher les BNB Et pour les retirer vers ton wallet sur la blockchain. alors, je retire. Historique des Ok. retraits, donc c'est le premier. Ouais, c'est le premier, il t'explique comment ça marche, hein. Lisez bien pour ceux qui ne connaissent pas, nous on l'a déjà fait, donc on sait comment ça marche. Et là, on va mettre l'adresse du wallet que tu as créé. J'ai choisi Voilà, le on réseau. choisit. Tu vas un peu vite, hein, Denis, je pense. Ouais. Donc, on met l'adresse du wallet, on choisit le réseau, donc la BSC, Binance Smart Chain, hein, celle qu'on a ajoutée au niveau de notre wallet aussi. Et Denis a mis le max de BNB, donc 0,12 BNB. Et c'est parti, on envoie. Code de vérification par email. Donc, il te fait une double vérification, à la fois par mail et à la fois ton vérificateur D'accord. Google. Voilà, hein, j'ai rentré le
en par email et le Google, il me l'a changé entre temps. Voilà, j'envoie. C'est parti. Voilà, apparemment. On va voir si c'est tout bon. Il est en train de valider et après la transaction va prendre un tout petit temps. D'accord. Voilà, donc il te confirme le retrait. Genre l'historique des retraits, non ? Tu peux aller voir l'historique, ouais. Hop. Alors tant qu'il n'est pas fait, il apparaîtra pas là, hein, c'est ça. Hein. Si, mais il va te donner le statut du retrait, tu vois. Il processing. Processing. Et donc tu peux ouvrir ton wallet, on va regarder là, wallet, si qui était là. Voilà. Voilà, et t'as pas encore reçu. Tu vois, on va voir le montant augmenter. Je dois rafraîchir ou ça se fait tout seul ? Non, normalement, ici, ça doit se rafraîchir tout seul. D'accord. Alors là, il met toujours qu'il est en process. Ouais, parce que process. Lui, il ne se rafraîchit pas automatiquement. Tu peux faire un petit refresh si tu veux voir. Mais là, on sait que sur ton wallet, c'est bien arrivé. Voilà. J'ai. Voilà, dans le wallet, tu as les 0.11.0.12 BNB. Ok, parfait. Génial. Donc, alors, on sait déjà comment servir d'un wallet maintenant. Hein. Mais ouais, alors on peut afficher si tu veux le wallet, comme ça on voit les transactions qui sont dedans. C'est pas mal. Voilà, si tu vas sur les trois petits points. Ouais. Exact. Et t'as voir dans l'explorateur. Ouais. La deuxième option. Voilà, donc là il t'emmène sur l'explorateur de transactions où tu peux voir toutes les transactions qui sont associées à ton wallet. C'est d'accord. Visible, donc pour l'instant on l'a juste créé et envoyé, donc tu vois juste une dans la liste qui est le transfert, tu vois, depuis le Binance Hot Wallet vers le tien. D'accord, et si je veux envoyer à quelqu'un, je dois passer par où ou... Non, si tu veux envoyer à quelqu'un, tu le fais directement depuis ton wallet. Donc ouais. Soit toi tu l'as ouvert en grand onglet, soit directement dans l'extension, tu ouais. Sais, dans ta depuis liste d'extension, là, alors, ouais. Là, et, tu auras et là, je vais, en petit. Et là, tu peux faire envoyer directement tes BNB. Je fais non, où, en dessous de ton solde. Ah ouais, d'accord. Tu vas okay, ton solde, là. Envoyer. Voilà, envoyer. Okay. Et donc là, tu colles l'adresse de ton destinataire et d'accord. Ça va envoyer des BNB. Ok, parfait. Bon, de toute façon, on le fera tout à l'heure, je pense. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer le PepiCoin. Voilà. On est là pour ça après tout. Donc on a déjà préparé le code. Hein,